Bonsoir à tous. Je suis Kenzo Quadio, le président du comité d'organisation. Je vais commencer par vous donner le programme des obsèques de notre regretté Didier Arafat. Nous avons la veillée le vendredi 30 août. Ouverture des portes à 6h du matin au grand public. De 16h à 6h, animation et prestations d'artistes. Les accès au stade, les loges officielles, vous aurez des badges et des bracelets de sécurité. Les tribunes lagunaires, badges et bracelets de sécurité. Les virages, c'est des entrées libres. Les points relais pour la diffusion en direct ont été déterminés dans les zones suivantes. Nous avons, dans un premier temps, des retransmissions qui se feront sur plusieurs sites. À Kumasi, Inch'Allah. Au stade d'Angré. À Bobo, Sojefia. Et Yopougon, Figayou. Voilà, nous aurons sur ces différents lieux des écrans et de la sono pour retransmettre en direct, grâce à la RTI, tout ce qui se passera au stade Feboigny. Le samedi 31 août, la levée de corps. À 6h du matin, la levée de corps au stade Feboigny. Je précise bien, la levée de corps se fera au stade Feboigny. L'itinéraire pour l'enterrement. Boulevard Lagunet, Carrefour, Agban, Williamsville, Cimetière. Il est recommandé à tout le monde, pour le bon déroulement de l'activité, de ne pas forcer les accès et de suivre les instructions des forces de l'ordre. Plusieurs checkpoints de sécurité seront mis en place dans la commune du Plateau afin de délimiter le périmètre de sécurité. Je vous remercie. Je suis Kwame Konando, état civil, à Nojagwa dans le milieu musical. Je suis le manager général à Didier Arafat. J'aimerais lancer un appel particulier à la grande famille de la Chine. Voilà, être chez moi, c'est un état d'esprit. Voilà, être chez moi, c'est un état d'esprit. Alors, j'aimerais exhorter mes jeunes frères. Il faut que tout se passe dans la discipline. Comme ce qu'on a fait le samedi dernier. Vraiment, je tiens à dire merci à tout le monde. Retirez le chapeau parce qu'on a eu zéro incident. Et c'est ce que je veux. Nous devons tous respecter la mémoire de l'artiste. Nous sommes tous des Ivoiriens et c'est même dans la main qu'on pourra vraiment atteindre l'objectif qui est d'enterrer dignement notre artiste. Aujourd'hui, tout le monde entier nous regarde. Et c'est le moment, l'opportunité pour nous de montrer qu'être chinois, ce n'est pas un délinquant. Être chinois, ce n'est pas quelqu'un qui sait naturel, mais plutôt quelqu'un de discipliné. Merci, c'est mon message que j'aimerais véhiculer. Là, vous avez ici avec nous la gendarmerie nationale de Côte d'Ivoire, la police nationale de Côte d'Ivoire, et vous avez les administrations telles que, non, bien sûr, vous avez le GSPM, le groupement des sapeurs-pompiers militaires, vous avez la Croix-Rouge, vous avez le SAMU, vous avez la CIUSE des CIE l'ONEP, l'Office national de l'État, vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. Vous avez toutes les communes d'Abidjan, vous avez l'Office national des sports organisé par sa direction générale, et bien sûr, le ministère des tutelles, le ministère de la culture. Vous avez le district d'Abidjan, et l'ONPC, bien sûr, tout l'aspect SECO. Donc c'est compartimenté, vous avez les forces de sécurité au sens strict du terme, vous avez la police et appui militaire, vous avez le volet SECO, GSPM, SAMU, ONPC, Croix-Rouge. Vous avez le volet commune, donc décentralisation, district et commune. Et puis vous avez l'administration. Vous avez le volet technique, donc CIUSE, les CIONEP, ONS, et puis l'accompagnement de l'administration que nous représentons à la préfecture d'Abidjan. Donc toutes ces composantes ont pour but de relever le niveau de sécurité, mais également de résoudre les problèmes dans un entraînement plus grand que le simple aspect sécurité, c'est-à-dire déploiement des forces. La sécurité de ce rassemblement, c'est tout. C'est la fourniture suffisante en eau, c'est l'encadrement, c'est l'électricité, ce sont les toilettes, ce sont les repas, ce sont les mouvements de foule, c'est l'animation, ce sont les infrastructures. Alors donc tous ces éléments permettent une bonne organisation de ce rassemblement-là. Et les mesures ont été prises depuis l'accident jusqu'à ce jour pour permettre que les choses se passent bien. Grâce à Dieu jusqu'à présent, avec l'appel lancé par le comité d'organisation, par le manager général,
les événements ont été maîtrisés. On a noté 2 blessés, mais sans gravité particulière, qui ont été traités. C'était à l'occasion des parades là-bas. Donc jusque-là, tout se passe bien. Et toute une autre équipe est prête pour accompagner.